Alors, il faut comprendre d'abord que pourquoi apprendre le français? Pour parler avec un ami, en français bien sûr. Pour suivre des dessins animés, bien comprendre ces dessins animés. Pour utiliser un jeu. Pour comprendre des émissions françaises. Pour lire une histoire en français. Comme l'exemple de Le Petit Poucet, pour écrire une lettre à un ami en France, pour écouter des informations en français, et pourquoi pas, pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur. Alors c'est ça, pourquoi apprendre le français? Bonjour mes chers élèves de deuxième année primaire, je vous présente Oral d'après mes apprentissages en France. On va découvrir l'histoire de Ami et ses camarades, Kenza, Sarah et Samy. C'est bientôt la rentrée. Bonjour Amine. Bonjour maman. Bonjour papa. Demain, c'est la rentrée. Oui papa, j'ai très envie d'aller à l'école. Voici ton nouveau cartable et une trousse. Merci beaucoup. Maintenant, je suis prêt pour travailler. À l'école d'Amine. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis la maîtresse Mina. Bonjour madame, je suis la maman d'Amine. Bonjour madame, et moi je suis son papa. Bonjour maîtresse, je m'appelle Amine. Bonjour Amine, viens avec moi. Je vais te présenter les enfants de la classe. Mes chers élèves, je vous présente les camarades d'Amine. Objectif de communication, c'est présenter ses camarades et ses proches. Je vous présente ses activités orales. Le personnage principal ici, c'est Ami. Voici Ami, avec ses nouveaux camarades de classe. Kenza, Sarah et Samir. Alors, on sait déjà que Amine se réveille tôt pour aller à l'école primaire Mogador avec ses parents. Alors, Amine fait connaissance de sa maîtresse qui s'appelle Mina. Et Mina fait connaissance de ses parents. Alors, cette fois, Mina va présenter Amine à ses élèves, Kenza, Sarah et Samir. Alors Kenza ici fait connaissance d'Amine. Kenza et Amine font connaissance. Alors, d'après vous, que se disent-ils? Vous allez écouter le dialogue bien avant. Et Kenza ici présente Amine à ses amis, Sarah et Samir. Que dit-elle? Alors, écoutez bien maintenant le dialogue. Et après, je vais vous poser quelques questions. Les camarades d'Amine. Bonjour, je m'appelle Kenza. Et toi? Moi, je m'appelle Amine. Je peux jouer avec toi? Oui, Amine. Je vais te présenter mes amis. Lui, c'est Samir. Et voici Sarah. Bonjour, Samir. Bonjour, Sarah. Alors, écoutez encore une fois.
le dialogue entre Kenza et Amine et Kenza avec ses amis. Alors Kenza et Amine font connaissance. Bonjour, je m'appelle Kenza et toi? Moi, je m'appelle Amine. Je peux jouer avec toi? Ici, Kenza présente Amine à ses amis, Sarah et Samia. Oui, Amine, je vais te présenter mes amis. Lui, c'est Samir. Et voilà, Sarah. Bonjour, Samir. Bonjour, Sarah. Alors maintenant, écoutez les questions. Qui parle à Amine? Que veut faire Amine? Qui sont les amis de Kenza? Qui parle à Amine? Que veut faire Amine? Qui sont les amis de Kenza? Alors, qui parle à Amine, c'est Kenza, bien sûr. Oui, vous avez une bonne réponse. Alors, que veut faire Amine? Que veut faire Amine? Amine veut jouer avec Kenza. Il y a aussi Samir et Sarah. Qui sont les amis de Kenza? Les amis de Kenza sont Sarah, elle est blonde, et Samir, elle est brun. Alors, ce sont les amis de Kenza. Lui, c'est Amine. Et voilà les amis de Kenza. Samir et Sarah. Alors, la prochaine situation sera en classe. Alors, on va voir. La situation de communication sera en classe. Alors, au revoir, mes chers élèves. N'oublie pas, la situation prochaine de communication sera en classe. Voici Ali et Salami Kenza. Chacun d'eux présente ses affaires scolaires.